Bienvenue tout le monde dans nouveau page actualité que Télépacifique porte pour nous. Député Abel Descollines encourage l'administration Moïse Lafontaine prend disposition pour permettre stricti politique tant coup famille Lavalas petite Dessalines ak vérité participer dans dialogue sous situation générale pays. Organisation non gouvernementale ATD Carmonde ak Office Protection Citoyen a organisé 20 novembre prochain dans capitale là une série activités dans cadre journée internationale pour éliminer pauvreté. Président Commission Santé Chambre député Sinal Bertrand dit regrette c'est seulement 4 millions de dollars américains partenaire international yo bay pour 181 millions yo te promettre dans cadre bataille contre choléra en Haïti. Banque Interaméricaine Développement en tête collée à Commission Nationale Innovation et Insertion Professionnelle Genio et puis Focal organisé hier jeudi à une journée échange sous économie orange en Haïti. Restez branché pour développement tout point ça yo. Bienvenue dans détail journal là. Député Abel Descollines qui élit en bas bannière convention Unité démocratique KID proche pouvoir ça les processus dialogue exécutif là lancé à sous application loi sous institutionnalisation ak financement parti politique yo. Cependant député KID là déclaré c'est pas dialogue population aptonne pour gain yon solution qui joint nan crise politique pays a. D'après parlementaire, ça qui est important, c'est permettre yon série parti tant que famille Lavalas, petite Dessalines ak vérité entrer nan processus là. Abel Descollines. Donc, pour qu'il y ait de stabilité politique, président de la République là, li doué dans cadre d'un processus de dialogue, fait œuvre qui vaille pour permettre à ce que les acteurs qui représentaient sur la scène politique, bien entendu, tout l'autre acteur est important, mais en matière électorale, nous croyons, il va de soi que si doit gagner un dialogue, c'est parti antagonique yo qui susceptible pour permettre que gagner un environnement propice, un environnement qui apaisé. Maintenant comme journaliste, nous capable dit moi mais Moïse Jean-Charles famille Lavalas dit au pas dans dialogue. Oui, c'est de bonne guerre. Il se trouve que le président de la République poko jam prend l'opinion publique à témoin pour mettre, qu'il s'agisse de Moïse Jean-Charles, Maryse Narcisse, Jude Célestin et d'autres acteurs, devant le fait accompli pour que pays, population, ouais que président de bonne foi, président de bonne volonté, mais c'est acteur ça qui parlait dialoguer. Organisation non gouvernementale ATD Carmonde ak Office Protection Citoyen a organisé 20 novembre prochain yon ensemble activité dans la cour Don Bosco sur bicentenaire dans cadre journée internationale pour éliminer pauvreté k'ap commémoré 17 octobre. D'après responsable Strictissa, Léry Saint-Jean, journée ça a commémoré en baptême répondre ak appel 17 octobre là pour éliminer pauvreté yon chemin pour arriver dans une société pacifique et puis inclusif. Activité sa yo pral permettre plusieurs monde qui pa gen moyen montrer talent artistique yo, partager rêve yo et puis façon yo fait pour yo vivre malgré situation yo. Déclaration dans micro Nancy Constant ak David Mercius. On a jodi a li très clair. Extrême pauvreté ak la misère, c'est une violation de droit. 17 octobre 2017, c'est une occasion encore pour nous bay moun pipo yo la parole. C'est seul moment yo gagnent pour yo dire qui ça yo vive, qui gens yo résister. Et puis, qui ça yo ap capable de faire pour yo capable construire un plus bon demain? C'est juste pour nous dire, pour yo dire yo c'est plus gros partenaire dans tout projet qui visait amélioration condition la vie. C'est juste pour mobiliser citoyens et responsables publics, local, national et international, sous obligation yo gagner pour arriver à combattre l'injustice sociale qui a créé la misère et puis arriver dans la société qui chita tout bon vrai, sous la paix et côté vraiment vrai, tout le monde capable de vivre tant qu'on boule. Pour commémoration à l'ESA, Office Protection Citoyen OPC, institution La Coula Kay Don Bosco et ATD Carmonde bay tout le monde rendez-vous sous bicentenaire dans le local La Cou, côté vous pouvez faire une grosse activité à travers divers stands publics là capable de découvrir qui activité institution ça a fait, qui ça moun ki pi pov yo capable faire yo capable découvrir yon en pi bien grâce à yon stand ki pral parler sur l'histoire li et tout moun présence moun sa yo a montré que yo vle vraiment mettre main
pour y rester solide avec moun ka viv dans la misère. Bokote Pal, directeur promotion droit moun nan OPC Jude Jean-Pierre, mandé autorité dans l'état ak représentant société civile là pour y faire bon gens action pour capable accompagner couche qui pi défavorisé yo dans population. D'après li, bataille contre pauvreté a c'est avant yon bataille pour faire respecter droit moun. En suite déclaration le Domico Info Pacifique. Droit pour dormi, droit pour kon li ak ekri, droit pour manger, droit pour nous jeune un logement décent, d'oublier ça. Décent c'est bon logement tout court. Droit pour nous vivre bien, pour nous épanouir. C'est des bagages n'a vivre chaque jour que yo pas respecté en grande partie en Haïti. OPC quoi li essentiel, li fondamental, li indispensable pour société civile avec l'État. Aborder question misère, question pauvreté, sous un angle droit moun. C'est pas garder situation seulement sous le point économique, sociologique, culturel, mais garder la misère sous un angle droit moun qui a permettre que l'État et la société civile là, capable de mettre tête ensemble pour dégager toute initiative et renforcer toute initiative, toute action qui va permettre de lutter contre la misère qui va permettre de nous respecter. OPC fait ensemble de recommandations. 1. OPC mandé pour appliquer des mesures viables, durables, visant l'élimination de la pauvreté extrême. Il faut que vous accordiez une attention spéciale à moun qui vivent dans la misère. 2. OPC mandé pressé pour l'État mettre en œuvre pacte international droit économique, social et culturel que Haïti signé et ratifié le 30 janvier 2012. Yon l'autre côté, responsable communication dans la Commission épiscopale justice ak la paix, JILAP, Jean-Bernard Marcelin, te profité de dénoncer quantité moun povyo qui passissement augmenté dans le pays. En suite déclaration, Jean-Bernard Marcelin. Yon rapport l'ONU fait mettre dehors. Il dit que 600 000 haïtiens dans pays a qui a mal vivre, qui nan misère extrême. Et il dit c'est nous-mêmes qui pi mal dans hémisphère nord. Il dit des haïtiens sous 3 a vivre avec yon $2 nan men yo chaque jour. Et 80%, mais 82% de la population, dans le monde qui vit avec des dollars, c'est dans la province, dans le milieu rural, qui est sorti. Dans le rapport, il dit 10% haïtiens qui sont plus riches, ils ont gagné 70% de la totalité de revenus pays dans le pays. Il dit 50% haïtiens qui nan vilio ka vive nan chômage. Agriculture qui sont secteur important nan économie pays d'Haïti, li pa rive bay tout haïtien manger. Jan sa ta dwe fèt. Gen 100 000 ti moun ki gen mwen pase 5 ans ki mal nourri. 50% nan foye nou yo pa gen bon jan de l'eau propre pour yo boire, pas de clair, de l'eau propre pour yo boire. Gen yon tye fam ak ti moun nan peyi a ki anemi. L'autre point, Chambre agricole ak professionnel d'Haïti, c'est un nouveau stricti qui fait que lancé hier jeudi à n'importe au prince. Président organisation Eric Balthazar fait qu'on est objectif chaque gars c'est arriver contribuer dans promotion pour production nationale là ak développement pays. Mais Balthazar déclaré renforcement production nationale là capable aider Haïti fait face ak besoin population dans affaire manger. Déclaration le micro Jean-Maxon Dorsey à Rigard Noël. Nous là, nous travaillons et avec tout corps de métier qui est intéressé par l'agriculture là pour nous une plateforme d'entreprise privée qui est capable de travailler beaucoup de secteurs publics là pour faire vivre la production nationale là. Attends, nous c'est que nous travaillons avec le secteur public et le secteur privé, cachita autour d'une table et par les pays pour nous garder
comment on a 3 millions de monde qui ont une sécurité sévère, qui n'ont pas besoin de manger chaque jour, qui s'en a fait pour nous manger. Économie qui a un problème, on a parti quitter le pays en vertu, voilà qui j'en fait pour que les jeunes pour revigorer l'économie du pays d'Haïti. Voilà, c'est à une pigou attente que nous avons. Président commission santé chambre député yo Sinal Bertrand dit qu'il est chargé sous façon responsable pour distribuer 209 millions de dollars américains qui disponibles pour dédommager victimes choléra yo. Député a parlé dans cadre de rencontre commissaire yo te gagné avec responsable direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA dans parlement. Parlementaire a dit regrette seulement 4 millions de dollars communauté internationale là-bas et sous 181 millions li te promettre dans quatre batailles contre choléra en Haïti. Cependant, Sinal Bertrand déclarait le gouvernement canadien toujours pour mettre là-bas 20 millions de dollars américains pour lutter contre l'épidémie dans le pays. Banque interaméricaine développement en tête collée à Commission nationale innovation et insertion professionnelle jeune et puis focale organisé hier jeudi à une journée échange sous économie orange en Haïti dans centre convention et documentation Banque centrale. D'après expert dans l'économie orange Nambide, Pascal Jonaille, activité ça entrée dans le cadre GFOP pour attirer investissement dans le secteur culturel haïtien et puis valoriser l'industrie créative là. Pascal Jonaille dans le micro, Mario Sylvain et David Mercius. C'est toute une vision de la culture sur l'aspect économique. Tout ça qui sortit dans la créativité, que ce soit art, que ce soit n'importe qui sont au monde capable d'inventer. Qui économie et qui sortit de ça. Ça veut dire normalement, bon, tout le monde connaît Haïti, c'est un pays qui est très créatif, qui est chargé avec talent, qui gagne art, musique, littérature, etc. Mais la question à poser aujourd'hui, c'est toute activité ça, qui gens sont capables de générer COB, mais qui gens sont capables de générer emploi, tout, qui gens sont capables de faire Haïti bien plus image, bien local. Bon, étude là, c'est salié, c'est un résumé de toute consultation qui est faite parce que y a un problème qui gagne. Là où tu as aimé investir, bon, même genre avec n'importe qui business, ou bien un cop, ou pas voyer dans l'air, oh, pardon, comme ça, il faut regarder côté WAPMITEL. Ou pas regarder côté WAPMITEL. Ou besoin d'information, côté WAP, j'en ai information ça. Qui m'a dit combien d'artisans gagnent dans le pays, qui ont industrie, musique, information, quel secteur ton quoi artisanat, musique, qui commençait à gagner en ces deux chiffres, publication, ton coup cartographique, Haïti Musique t'est faite, et puis artisanat qui gagne plusieurs études, tout, mais l'autre secteur, il n'y a pas gagné d'études du tout, donc vous êtes obligé de parler avec, pas chaque monde, mais le monde qui est représentatif dans le secteur, hein, que acteur qui pipitio, acteur qui plus important, et puis on l'autre série d'acteurs intermédiaires pour capable gagner information. Et puis... Banque interaméricaine développement dans tête collée à Commission nationale innovation et insertion socio-professionnelle yo, et puis focale lancé jeudi phase finale concours sous création innovation et entrepreneuriat dans capitale là. Technologie, artisanat et peinture, c'est quelque dans sujet 150 participants yo capable aborder dans cadre concours ça. Jean-Marie Altema dans micro Mario Sylvain avec David Mercius. C'est pas un concours qui visait à dire mon premier, mon deuxième, mon troisième, mais c'est plutôt mettre en valeur et réalisation ou encore sa équipe ça va faire dans le secteur industrie créative. Donc pita exercice li pa un exercice qui est plus facile parce que pas pas un gagnant mais pral gen plutôt des gagnants et gagnants ça yo et yo capable au nombre de 7 et on pral wè plus mais pratiquement et tout le monde qui est retenu là comme finaliste yo pral gen pour participer dans une cérémonie qui a fait en République dominicaine qui pral permettre que gagne de monde en région qui pral qui dans secteur industrie créative là que vous capable rencontrer et qui va permettre que faire networking et pourquoi pas capable de déboucher. D'abord, objectif là c'est valoriser la capacité industrie créative en Haïti. Nous gagnons sur connait ça, nous connaît haïtien bon en pile dans ça qui a rapport avec l'art, l'artisanat tout secteur là. Et maintenant nous pas un impact social, nous pas un impact économique malgré qu'il y a un pile d'initiatives qui fait. Maintenant nous-mêmes comme spécialistes en secteur technologie hein, nous dit eh bien l'idée hein, c'est qui gens technologie capable aider capable dire acteur ça pour que transformer ça pour rapporter l'argent.
Premier magistrat Port-au-Prince-Lan, Yuri Chevry, annoncé hier jeudi à toute place publique, yo, nan commune lan sous responsabilité mairie, après yon akol signé ak ministère intérieur ak collectivité territoriale. Initiative sa permettre 591 employés place publique recevoir plusieurs mois arriéré l'État te doué yo. D'après premier citoyen Port-au-Prince-Lan qui annoncé mairie pral ramasser fatra ka bay problème nan commune lan. En suivant, déclaration Yuri Chevry. Après, on pile des marches. Et avec l'État central, plus précisément le ministère de l'Intérieur et la présidence tout, et pour nous récupérer la place qui est dans tout le pays. Et je dis à son fait que la mairie prend responsable de toute place qui est dans la commune. C'est à partir de Kounia que la mairie prend responsabilité de la place pour la place non seulement toujours nettoyer et pour retourner ça au terrain longtemps. Depuis sous le gouvernement de Préval, de René Préval, et l'ancien président Préval, qui n'est plus, et place a été rapatrié à Palais National. Ensuite, non moment, je pense que vous avez joué le ministère de l'Intérieur, vous avez joué le ministère de la Culture, vous avez même joué le SMCRS. Mais d'après ça, je comprends dernièrement, là, c'est le ministère de l'Intérieur qui prend charge. Avec la mairie, nous entendons, son protocole d'accord signé, nous entendons pour nous payer tout le monde qui travaille sur place dans toute commune. Et même dans des communes qui ne sont pas communes Port-au-Prince, qui c'est par exemple Tabor, et puis de l'autre place que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas gagner en tête. Mais en tout, 591 employés que la mairie a entendu avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministre Saint-Albin, pour nous payer le monde avec. Et l'argent que l'agent mairie font communaux que nous écrit formellement le ministère, ministère d'Albin pour demander pour utiliser les fonds qui sont revenus à mairie pour payer mon salaire pour nous prendre en charge de place ça. C'est là nous mettons un bout dans le journal pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous informer. Vous êtes branché Télé Pacifique. Au revoir.